appartement de Thibault. J'ai le maréchal de la brigade anti-costume. J'ai l'honneur de vous présenter le côté jeune pasteur. Alléluia. Je veux encore te rendre toute la gloire. Et honneur et gloire à toi seul. Parce que tu es l'auteur de ces miracles, de ces merveilles. Tu es Yeshua et Mashiach. Tu es Yahweh, le Dieu d'Israël. Le véritable et le puissant Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. C'est à ta toi seul honneur. Parce que tout ce qui est en train de se produire dans cette région, les délivrances et les guérisons, tu as l'auteur. Et nous voulons te rendre toute la gloire. À toi seul, Yeshua, la gloire. À toi seul, l'honneur. Merci de nous conduire. Et merci de nous bénir. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un dise amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, Jésus? Alléluia. À lui seul la gloire. Dis amen. C'est Jésus qui est puissant. Et dis-moi quand t'as dit. Henri, il est où? Quoi que l'Henri? C'est Jésus qui est puissant. Et dis-moi quand t'as dit. Et c'est à lui la gloire. Moi, je ne dis pas quoi. Tu dis pas amen? Amen. Dis, c'est à lui qui est la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? N'a été qu'un instrument. Moi, je vous parle. Grâce n'a été qu'un instrument. Vous savez, moi, je fais cette œuvre avec passion. C'est pour cela que tout ce qu'on dit autour ne dit rien. Et je suis même prêt au prix de ma vie. Parce que j'ai la félicité au ciel. Dès que je meurs, je dois ça. Parce que quand on a appelé un service, j'ai entendu d'autres personnes dire non, si tout le monde m'aime à la fois, c'est pas bon. Parce que Dieu lui-même a des ennemis. Amen. La plus grande religion au monde, c'est la religion Bouddha. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ou alors Bouddha, la grande religion. Dieu, personne dit qu'il n'existe pas. C'est la plus grande religion d'ailleurs. Mais Dieu existe. C'est l'être suprême d'ailleurs. Dieu a des ennemis. Notre créateur, il a des ennemis. Moi, j'ai un seul ennemi, c'est le diable. Mais je n'ai pas un ennemi. J'ai un seul ennemi qui est le diable. Je fais cette œuvre avec passion. C'est avec passion. Vous allez regarder le Messie de Jésus-Christ. La seule personne qui est morte du monde naturel, c'est Jean, Cyril de Patmos. Ils sont tous morts bâtis. La faute Pierre. Celui qui avait le garant de l'église. Il est mort, la tête justifiée en bas. La peau Paul, ils ont carrément coupé sa tête. Le Paul, vraiment dit d'abord. Et la plupart des disciples ont commis comme ça, c'est mort. C'est quoi fou? C'est pas parce qu'on est en Jésus-Christ.
on ne peut pas connaître des persécutions. La Bible même dit quoi? Fais cette déclaration. Celui qui voudra vivre pieusement, Jésus sera persécuté. Si tu veux bien vivre dans Jésus, il y a la persécution dedans. Je dis avec passion parce que je supporte les persécutions. Avec passion parce que j'ai été moi-même victime de la sorcellerie. Je suis issu d'une famille musulmane, chrétien. Ma mère est malienne, musulman. Quand on enterrait mon père, ils ont refait la mosquée de notre village. J'ai connu Jésus dans. J'étais celui qui se moquait beaucoup des chrétiens d'ailleurs. Jamais je n'ai pensé l'instant qu'il est allé dans une église. A plus fort de raison être pasteur, nous ne pouvons pas. Je me disais, Dieu est tellement sérieux, le plus on chante en sa présence. Aujourd'hui, c'est moi qui chante. Je me rappelle des choses, je commence à aller seul. Il est trop sérieux pour qu'on chante, on va le prier sérieusement. Vous parlez dans un église, on va enseigner. L'islam, c'est ce qui était dans ma tête. Je suis en secret dans la sorcellerie. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Allez, à présent. Voilà, que Dieu bénisse. Et la sorcellerie a commencé à taper ma famille. La première personne a parlé de la sorcellerie. C'est mon père. Vous savez que mon papa a entendu parler de la sorcellerie. Et ça ne me disait rien. Vous savez, quand tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, quand tu ne parles pas de ça, ça n'a rien à voir. Amen. Rien. Mon père est revenu de la France. Il a créé le plantation chez nous. Sans hectares de cacao. Et puis on a eu fait des brousses. On peut comprendre si c'est fait des brousses, partie brune, reste. La plantation est ensemble. Donc lui, il boit ce nasigui. On est au nasigui. Et puis c'est là au village. L'homme là, loco. Il dit c'est pour l'instant rendu à Jésus. Parce que si ce n'est pas Jésus, il serait un sorcier aujourd'hui. Mais il a dit au village. Grand buveur de Nasidji. Mais Nasidji, à ma manière. Si, si, chaque mois, on faisait voir Nasidji. Je crois que les mots là, dans les cafés. J'explique les Nasidji. Ceux qui ont visité les parents, vous connaissez. Le marabout, ma pierre. Allez, chacun sait où les guider pour venir dans Jésus. Amen. C'est important les sorciers parce que vous nous aidez à accepter Jésus. S'il n'y a pas de sorciers, c'est parce qu'ils sont attaqués qu'on connaît Jésus. Ils vont chercher des femmes, des gens, grands bandits, drogués, fouleurs, voyous. Ces sorciers qu'on prouve vers Jésus. S'il n'y a pas de sorciers, on peut voir Jésus. Amen. Donc la plantation est ensemble. Ensemble. Donc mon père est croyant. Le Dieu, il a détecté, il a compris que c'était la sorcellerie. Donc il menace des gens. C'est ce qu'il ne peut pas faire. Quand il n'a pas Jésus. Donc depuis 2006, dans le combat, je suis encore vivant. Et ma mort sera naturelle. Aucun sorcier ne pourra me manger. Je suis tellement convaincu. A plus B que ça. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je sais ce qu'il m'a dit. Personne. Amen. Amen. Et mon papa a commencé à menacer les sorciers. J'ai des choses pour pas faire. Il est sorti du village, il a fait un accident grave. Donc, il lui met Croix-Rouge sur le village. Vous savez, moi j'ai le village aujourd'hui parce que Jésus-Christ m'a délivré. Pour moi, avant tout ce qui venait du village, c'est la sorcellerie. Parce que c'est ce qui m'a fait dans la tête. Donc, quand on parle de village, dans un premier temps, je suis braqué avant. Tu as trop duré à lui, c'est pas peut-être 5 minutes, vous parlez et puis. Je
Le sorcier, il allait la vue son assédie contre ça. Donc pour lui, une manière de protéger ses enfants, c'est interdit aux enfants d'aller au village. Moi, je le connais, j'ai connu mon village lors de l'enterrement de mon papa. Il a quoi avec tout ce que j'ai vu. Et j'avais peur. C'est-à-dire, je voyais tout le monde en sauce. Et mon père en mer, ça a dit. Il n'y a pas de problème. Il dit pourquoi j'ai dit. Mais quand je voyais tout le monde en sauce. Je ne voulais même pas saluer les gens. Non, je ne voulais même pas saluer les gens. Parce que c'était ça qui était dans ma tête, la sorcellerie. Vous avez vu la tour qui descend en 93. C'est fini, il est parti. On vient.
Il est mort. Ils sont venus, ils ont pris le corps. On appelle la mort. Mais moi, j'allais constamment par curiosité. C'est-à-dire, je n'acceptais pas la mort parce que à la fin, nous avons mangé avec lui. Il est dans là depuis longtemps. Toute fois qu'on partait, parce que mon père, le corps de mon père a fait deux fois la mort. On partait changer les vêtements. J'allais là-bas pour sauver. Prends son héritage. Je m'en vais à dire avant. Donc, il y a un monsieur qui débarque. Moi, j'ai dit au taux pour tamer parce que moi, il faut préparer les enfants à ça. Oui, donc, il dit que c'est lui l'héritier. En réalité, passons à regarder. Madame, il a compris beaucoup de choses. Pour que tu sois l'héritier, il faut que le monsieur nous prépare ça. Ah, ça me fait dire, mais nous, nous, le coup. On explique que c'est comment tu es l'héritier. Laissez-moi le mon gars. Pourquoi c'est maintenant tu vois? Il faut bien expliquer. Il n'a pas d'explication, mais c'est comme ça. Olo, il n'est pas le cas. C'est comme ça. Comme ça. Donc il est venu pour qu'on lave les enfants. C'est la tradition. On lui demande, mais quand nous regardons ça. Il dit non, c'est pour qu'il n'y ait pas de malheur sur nous. Le papa est mort. On dit, mais lui qui est mort, il doit une fois faire soi avec nous on a mort, pour te dire que c'est toi l'héritier. Tu n'es pas gagné. Non, mais c'est quoi tu as fait quoi l'héritage? Je prends ça d'abord. Puis après, on vous donne. On dit non. Et donc ça a déclenché comme un combat. C'est comme un combat qui a déclenché dans la famille. Mon frère est né parce que mes parents sont venus de la France. Ils ont cherché un huissier pour gérer tout le patrimoine. 6 mois après l'enterrement, mon papa. Qui peut prendre un petit coup? Lui d'abord. En tout cas, mon père. Ne faites pas bruit, il va partir. Vous les voyez. Laissez-le partir tranquillement. Ne le gênez pas. Amen. Amen. Mon frère meurt. Une maladie d'une semaine. Bon, on va. Et ma grande sœur, celle qui suit l'aîné, en 94. Mon père est mort en 93, le 23 juillet, elle meurt en 94, le 28 juillet. Donc, elle n'était pas malade. Elle allait se reposer et puis on elle avait été bien. Moi, je suis en Europe. Lorsque j'ai dit à mes parents, je sais que ça va venir à mon niveau. On dit non, c'est vous qui ne connaissez pas un peu de sorcellerie. Moi j'ai vu l'esprit de la sorcellerie faire violence à domicile. Attirer mon papa sous les yeux. Sinon il parlait là. Moi j'ai vu ça en direct. Vous voyez comment ça a commencé, mon père. La prochaine personne, c'est moi. Hein? Non, quoi, il dit, sorcier lui-même les visas. Il n'a pas besoin d'aller à la Bassa. Lui-même il prend les visas. On est à Bassa, il vient. Est-ce qu'il y a un genou là, il m'a dit que tu avais encore pour rentrer dans la touche de mon roi. Il a pris le titre, il a terrassé. Il a brisé la manger avec la poussière. Là, il mange. Hey, il mange. Tu vas pour manger. Mon ami. Moi, on va drap là-bas. Donc maintenant, ça là, c'est l'ennemi. On va te chasser maintenant. J'ai dit, il n'a rien fait, maintenant, qu'est-ce qu'il entend de faire? Laissez-le passer, accompagnez-le dehors, hein? Accompagnez-le doucement. C'est lui qui a cherché. Quand il va là-bas,
Bible qui a dit encore. Il a vu le pasteur en Jésus. Exactement, on met pour moi, là. Le Seigneur t'a brûlé. Il n'est pas bien comme les diabos. Yeah, 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 yeah! C'est comme ça, ça traumatise. Vous voyez, quand vous voyez, quand vous avez l'impression de voir un tueur en série dans la famille, il est et vous ne pouvez rien contre ça. C'est ça. Vous ne pouvez rien, tu ne peux rien contre ça. Tu vois la chose venir et tu ne veux rien. Comme un David qui est le plus grand petit camp. Mon papa, il a fait mille grands, ils l'ont mangé. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais il n'y a pas de nommer. Et là, ton assidu t'a bu depuis. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Tu es. Tu es. Gracieux, André. L'homme, le blou. Donc, moi, j'aurais peur, c'est la peur. Non, le drap d'Akamu. C'est ce que j'enseigne aux gens. Je ne suis pas en train d'endoctriner les gens. Je ne les endoctrine pas. J'ai vécu une expérience. Et j'ai fait recours à l'histoire des blancs, et eux ont combattu la sorcellerie. Et c'est une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'étais à la maison, j'ai dit aux gens, regardez sur les télés, vous allez voir l'inquisition. Vous allez voir l'inquisition. Le tribunal, les gens jugeaient le sorcier. Et on les faisait passer par le péché. Donc, finis, on te brûle. Voici, on a. Donc je n'endoctrine pas quelqu'un. D'autres personnes disent c'est trouble à l'ordre, quel trouble à l'ordre public. Il est là, il est là. Il y a quelque chose qui est vrai, qui est dans notre réalité. Les gens commencent déjà à fumer. On constate que les gens ont problème de poumons. Les gens ont voté une loi en Europe. Mais il ne fume pas, il a un problème de poumon comme si quelqu'un fumait. Moi, on a les donc, oui, il prend ça. C'est dans les joies d'endroit où il va manger, boire. Donc, on interdit de fumer dans les lieux publics. Ils sont venus en tirer mon attention sur quelque chose. Quand on a vu, c'est gratuit. Non, ça les tuait. Le monsieur, les poumons, dit, ah, monsieur, tu n'as pas fumé. Non. Il a aussi gratuit. Tes poumons ne sont pas quelqu'un qui a fumé. Comme ça, ils fument dans les restaurants. Et les gens l'habitude de fumer dans les restaurants. Donc, ils ont proclamé une loi pour interdire les gens de fumer dans les lieux publics. Et le moment que cette loi est votée ici en Côte d'Ivoire, c'est la même chose d'ailleurs ici. Ça va nous de Côte d'Ivoire. On concentre aussi pour le téléphone. Le téléphone. Les gens, aujourd'hui, nous avons le téléphone, là, on prend ça, même fait mal au téléphone, au blanc. Ah ouais, la carte. Ils ont constaté qu'aujourd'hui, les accidents, les corps, c'est ça. Écoute, vous allez voter une loi. Quand il y a une situation, où est capable, hein? L'État prend le temps de régler ça. Le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, nos lois, quand vous étudiez par la juridiction ivoirienne, elle est très ferme. Face à la sorcellerie. Mais quand vous menez les enquêtes dans nos prisons, beaucoup étaient incarcérés par rapport à la sorcellerie. Où est la jeune fille qui a été délivrée là? Il y a une fille qui a fait sorcellerie. Prison, où est-elle? Moi, le moment, on ne voit pas dans Paris, ouais, le bon, en Guinée, viens. Elle a fait prison à cause de sorcellerie. Vous, quand le bon, on ne voit pas dans Paris. Vous avez un mot, vous. Elle a mis en prison. On ne voit pas dans Paris. Elle, le mot, et donc, les autres sont là-bas, elles ont libéré. On ne peut pas voir, c'est bon, on est là. J'ai posé la question à la jeune fille. On dit quoi? Elle mérite en prison. C'est un problème d'esprit. Maison d'arrêt et de correction. Prison ne peut pas régler le problème de sorcellerie. Une année en 2010. La prison civile de Gagnois, je suis allé rencontrer une jeune femme. Il m'a permis de rencontrer la femme. On dit la jeune femme a giflé une autre qui a fait autorité. Elle était à la une, cette femme-là, des journaux, où elle a eu comme une tumeur. Ça a été de l'hippopotame, la jeune femme. Et puis il y a la paix. Abéga, voilà, je suis allé rencontrer cette jeune fille.
la dame en prison. Ils ont permis que je rentre. Et j'ai changé avec elle. Ils l'ont mis en prison. Pour être de sorcellerie. Mais en temps, me montait des gens. Il n'y a pas la sorcellerie. J'ai changé avec la jeune. Elle m'a dit, c'est vrai, je le connais. S'il veut, laissez-moi 4 jours. J'ai réglé le problème. J'ai dit aux gens, personne ne m'a écouté. Amen. Et ici en Afrique, personne ne peut dire que la sorcellerie n'existe pas. D'ailleurs, au bout de l'œil de tout le monde, tout le monde d'ailleurs, on parle. Nos cas que vous voyez aujourd'hui, ils sont prêts d'aller dans les villages à commencer les choses de la sorcellerie. Amen. S'ils ne vont pas dans les villages, ils vont déconseiller ça aussi aux enfants. Mais c'est fini. Les enfants n'ont plus connu leur région. Mais c'est fini, ils sont perdus. Amen. Amen. Donc, si il y a des réalités, comme je disais, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Amen. Amen. Il y a des choses qui n'existent qu'en Afrique, ça n'existe pas en Europe. Il y a des choses qui existent en Europe, qui n'existent pas en Afrique. Chez nous, ici, il n'y a pas de neige. Vous allez fouiller dans le monde de l'Afrique. Nous avons plus de 60 pays. Ça n'existe pas, il n'y a même pas le nom de neige dans le monde. Quelque chose, ça n'existe pas en parlant. T'as changé quoi avec le nom dedans. Mais demandez dans les 60 ethnies, ils vont vous dire le nom des sorciers. Il y a Soubala, il y a Bayafouet, il y a Bougnon, il y a quoi encore? Il y a. C'est qui nous a quoi? Il est fini. Non, il a dit. José, oui. Ne parle pas donc qui on a dans chaque langue. Il y a au moins un nom. Il n'y dit pas. Amen. Mais quand il y a un fléau, il faut trouver un remède à ça. C'est tout. Les blancs ont compris, ils ont mené un combat. Moi, voici, j'étais vraiment très brutal, méchant. Ils brûlaient, ils tuaient les sorciers. J'ai plus le temps de regarder, d'étudier un peu la méthode.